Par moment, j'ai l'impression qu'on ne se rend pas compte que le français, c'est parmi les 5 langues dans le monde où on fait des affaires, que la francophonie, c'est grand. Et que pour s'affirmer et pour trouver sa place, les Québécois et les Québécoises ont beaucoup fait en français partout. Je rencontrais tout récemment une des plus grandes minières au Québec, qui est installée ici, qui est dans 50 pays dans le monde, puis elle me disait: vous savez, quand on se promène un peu partout dans le monde, dans les mines, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'un géologue, un architecte, quelqu'un qui travaille dans les mines, il y a toujours un Québécois, une Québécoise. Puis on le reconnaît comment? Mais parce qu'il parle français. Et parce que c'est à lui qu'on va s'adresser, nous qui sommes du Québec, pour aller chercher son savoir-faire. Alors, c'est possible de réussir en français et on est toujours dans une question de confiance. Ayons confiance en nous-mêmes. Sachons qu'on peut faire des affaires en français, ici au Québec, partout dans le monde, ce qui n'interdit pas d'en faire dans d'autres langues, partout dans le monde, et même ici au Québec. Mais ayons confiance que cette langue, ben, c'est elle qui est commune et qui est la principale pour faire des affaires, pour faire aussi des amis, pour être capable de communiquer.